Alors ce matin, je rappelais les points clés, ce qu'on appelle semne, ou d'abord lune semne, c'est-à-dire les points clés du corps, les points clés de l'esprit, avec le retour sur les instructions de base pour la posture, posture du corps et posture de l'esprit, parce qu'en fait c'est posture des deux. C'est autant poser le corps, mais c'est autant placer l'esprit, évidemment. Donc je ne vais pas reprendre tout ce que je disais ce matin, d'autant plus qu'il y a des personnes qui font les deux, et puis que en plus le lundi soir, vous êtes toutes et tous, plus ou moins, je pense la majorité, ou même carrément la totalité d'entre vous, habitués à ces instructions. Donc je les repasse peut-être vraiment très rapidement en disant que simplement pour la posture du corps, c'est principalement la colonne vertébrale droite qui est très importante. On peut se rappeler aussi de rentrer un peu le menton pour avoir la colonne vertébrale bien droite. Et puis, j'ai passé un peu de temps à expliquer la posture du regard aussi, qui a une incidence sur les canaux subtils, sur l'état de l'esprit. C'est un peu normal, parce que le regard est une porte d'entrée immense pour nous dans notre monde de perception, monde et mode de perception. Donc forcément que la façon dont on regarde, sans parler même de ce que l'on regarde, a une incidence directe sur notre état intérieur. Et donc évidemment c'est important. Mais une précision que je n'ai pas donnée ce matin, c'est que si on place le regard, ça ne veut pas dire qu'on regarde. Ça c'est peut-être un peu une difficulté, parce que quand on a les yeux mi-clos, ou si on a carrément les yeux ouverts, comme ça, on peut avoir tendance à vouloir regarder quelque chose. Et c'est normal parce que la conscience visuelle est tellement conditionnée à regarder que dès lors qu'on a les yeux ouverts et que le regard se pose sur quelque chose, on va se mettre à regarder. Mais évidemment, là, on fait la différence entre voir et regarder. Voir qui peut être considéré comme passif, mais là, c'est pas une idée de passivité, c'est une idée de ne pas focaliser sur un objet en particulier, mais juste laisser ce qui se manifeste dans le champ de la vision. Ça, c'est une instruction qu'on retrouve souvent, avec en plus l'idée de le poser simplement. Une instruction, par contre, qui vaut la peine peut-être d'explorer un peu plus en rapport à cela, on retrouve ça dans l'océan du sens certain, du 9e Karmapa, c'est vraiment un texte fondamental pour l'enseignement de Shiné, Lhaktong et Mahamudra, donc Shamatha, Vipassana et Mahamudra, où il précise bien que si par exemple on regarde un support, on peut s'entraîner comme ça, d'ailleurs. Imaginons, il nous parle d'un pilier, d'un mur, d'un caillou, d'un petit bout de bois, n'importe. Ça, c'est pour les supports grossiers. On peut le faire avec un support subtil, on peut mettre une statue de Bouddha ou n'importe, on peut même visualiser. Mais ce qu'il dit d'intéressant en rapport au support grossier, si par exemple c'est un petit caillou qu'on pose devant soi, c'est que simplement on place la conscience avec le regard. Et donc c'est vraiment une manière d'accompagner juste la conscience. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne parle pas forcément directement de la conscience visuelle, c'est aussi accompagner la conscience. C'est-à-dire, pourquoi il dit ça, ou pourquoi il ne précise pas conscience visuelle? Parce qu'en fait, naturellement, avec la conscience visuelle, il y a la conscience tout le temps. Il n'y a pas une séparation stricte qui est faite entre les différentes consciences dites sensorielles et la conscience.
Même si on parle pas vraiment de la conscience mentale versus les consciences sensorielles. Que ce soit la conscience mentale et les cinq consciences sensorielles, il y a toujours la conscience avec. C'est-à-dire que du point de vue bouddhiste, toute expérience sensorielle, qu'elle soit mentale ou propre aux cinq sens, elle est toujours expérience de la conscience aussi. Elle n'est pas séparée. Mais nous, ça nous fait bizarre parce que c'est un peu comme si on a l'impression qu'on ne sait pas très bien d'ailleurs de quoi on parle quand on parle de la conscience non séparée des consciences sensorielles. Mais parce qu'en fait, c'est la fameuse image, pour nous simplifier la vie, on donne ces images dans les sutras, c'est l'image du singe derrière les six fenêtres de la maison vide. C'est-à-dire que les six fenêtres représentent les cinq consciences sensorielles et la conscience mentale. Mais c'est toujours la même conscience. Ça ne veut pas dire qu'elle s'exerce de la même manière. Parce que quand elle entre, on pourrait dire, c'est un peu une image, mais quand elle entre dans le champ d'une conscience, elle va prendre le mode d'application ou d'expression de cette conscience. Typique, si on écoute quelque chose, on va avoir des objets, par exemple, qui sont en rapport à la conscience auditive. On ne peut pas voir, par exemple, avec la conscience auditive, donc ce n'est pas possible. Donc la conscience sensorielle, elle est conditionnée à un objet. Mais l'expérience de la conscience, en tant que conscience, est toujours là, au-delà de l'objet qui est perçu. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire en clair? Ça veut dire que chaque fois qu'on perçoit un objet dans le domaine de ses consciences, que ce soit donc des sons pour la conscience auditive, des objets pour la conscience visuelle, etc., des goûts pour la conscience gustative, au-delà de l'objet, ce qui se produit est toujours du domaine de la conscience, tout le temps. Et ça, c'est un peu particulier, parce que particulier, mais en même temps très intéressant. Parce que ça veut dire qu'on peut faire l'expérience profonde de la nature de l'esprit à travers toute expérience sensorielle, comme mentale. Imaginons juste, il faut imaginer une hypothèse qui heureusement n'est pas le cas, mais il faut l'imaginer, imaginons que ce soit pas le cas justement, et que ce soit complètement séparé. Ben, ça voudrait dire qu'en fait, on voit des formes, on entend des sons, mais on ne fait que voir des formes ou entendre des sons, ou avoir des goûts, etc. Donc ça veut dire que cette porte d'entrée ne nous donnerait jamais accès à la conscience elle-même. Mais en fait, on a toujours accès à la conscience elle-même, tout le temps. C'est pour ça que dans les instructions, on va nous dire ne porte pas attention à l'objet de la conscience, mais à l'expérience de la conscience. Je ne sais pas si j'arrive à être clair. J'espère que je suis clair. Mais à ce que j'allais Oui, dire, ben, je t'en prie, mais Laurence. cette, la conscience, c'est Oui. elle qui va qualifier la perception qu'on a visuelle ou auditive. Ah, ça, c'est un autre point. La question de Laurence, c'est est-ce que c'est la conscience qui va qualifier la perception qu'on a, visuelle ou auditive? Non, ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est ce qu'on va. Par exemple, dans l'Abhidharma, on parlera des facteurs mentaux. Bon, après, ça devient un peu complexe. Mais bon, c'est une question extrêmement intéressante aussi, hein. Tous ces aspects, comment dire, tous ces aspects multiples, que ce soit cognitif, perceptif, etc., tous ces aspects sont des multiples aspects de la conscience tout le temps. C'est jamais séparé, ces aspects. Simplement, les fonctions de la conscience sont multiples. Ça, c'est sûr. Par rapport à l'idée des objets, si par exemple on regarde un objet, ok, reprenons l'exemple, on met un petit caillou devant soi. Donc on regarde le caillou. Si je regarde le caillou, je suis dans une action de regarder, je suis tout de suite en train de m'occuper de l'objet, mais non pas de l'expérience de l'objet. Je regarde l'objet, je suis dans l'objet, je suis dans la perception de l'objet, je vais qualifier l'objet, je vais faire plein de choses, je vais activer beaucoup la conscience mentale et plein d'autres choses. En plus, mais je ne suis pas du tout dans l'expérience de la conscience regardant un objet. Je suis simplement en train de regarder un objet. Mais ça veut dire que je suis
C'est ce qu'on appelle les consciences d'engagement. Ça veut dire que ma conscience sensorielle, elle est partie dans l'objet. Pour donner une image, c'est comme si elle était partie dans l'objet. Je suis plus du tout dans l'expérience de la conscience percevant l'objet. Je suis juste dans l'objet. Donc en fait, pourquoi je vous raconte tout ça, c'est parce que quelles que soient les portes des consciences ouvertes, quelles que soient les choses qu'on perçoit ou etc., c'est l'idée, c'est d'être suffisamment présent pour être ramené à l'expérience que nous sommes en train de faire, mais non pas à l'expérience de l'objet. Parce que si on est dans l'expérience de l'objet, si par exemple on ouvre les yeux pendant la méditation, c'est pour ça que je vous parle de ça. Si on ouvre les yeux pendant la méditation, on va avoir le regard qui est posé sur quelque chose. Le sol, n'importe, un caillou, un pilier, ce qu'on voudra. Mais dans ce cas-là, faut juste se souvenir que l'objet n'importe absolument pas. Et donc la seule chose qui va importer, c'est de faire l'expérience à travers l'expérience sensorielle, de faire l'expérience de la conscience elle-même. C'est toujours ça qui va compter. De la même manière avec les pensées. C'est pour ça que les pensées, dans leur forme, parce que les pensées ont une forme, si par exemple on parle d'une pensée agréable ou d'une pensée désagréable, c'est une forme. Bon, c'est une manière de parler, mais c'est une forme que l'on donne. C'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est une appréciation en l'occurrence, mais qui va me permettre de me dire, tiens, il y a telle pensée, il y a telle autre, etc. Mais du point de vue de l'expérience méditative, qu'on ait telle idée d'une pensée ou une autre idée d'une même pensée, ça n'a aucune forme d'importance. Pourquoi? Parce que c'est toujours qu'une expérience de la conscience. On ne va pas s'attacher à la manière dont on qualifie cette expérience. Si par exemple si par exemple on a une pensée, on peut très bien se dire j'ai une pensée heureuse ou j'ai une pensée triste, etc. Ok. Et c'est complètement égal. C'est égal. Évidemment que dans mon expérience comme dans la vôtre, c'est pas égal du tout. En fonction de nos expériences, on est plus ou moins heureux ou triste. Alors bon, ça a de l'importance. Mais du point de vue méditatif, ça n'a pas beaucoup d'importance. Parce que c'est toujours finalement comme une des expressions infinies de la conscience elle-même, tout le temps. Elle prend cette forme. On pourrait dire que c'est comme une métamorphose. C'est comme si la conscience se métamorphosait sans cesse, soit en objet visuel, soit en objet sonore, etc. Donc, on va considérer, et du coup, qu'il est plus intéressant de s'intéresser à la conscience qu'à ses métamorphoses. Parce que si on perçoit que l'objet, ben dans ce cas-là, on est projeté dans l'objet. Que l'objet soit sonore, qu'il soit gustatif, qu'il soit tactile, qu'il soit visuel, ça c'est complètement égal. Mais dans ce cas-là, on est projeté dans l'objet. On n'est pas conscient de la conscience. Bon, je suis pas sûr d'arriver vraiment à vous expliquer ce que je veux vous dire. Mais dans les mots, c'est ça. Mais maintenant, est-ce que j'arrive à vous faire passer le message? Je sais pas. Mais bon, j'essaye, forcément. J'essaye parce que j'essaye moi-même aussi, en fait, tout simplement. Je peux poser une Oui, question? bien sûr, Parce que et sur le Elsa. moment, j'ai capté le moment où la conscience, enfin les perceptions butent sur l'objet en question, c'est vraiment genre une infinité, un infime moment où là on pourrait peut-être capter la non-essence propre de l'objet en lui-même ou pas, sans forcément aller aussi Non, tout à loin. fait. Mais est-ce que c'est une question d'instantanéité aussi? La question d'Elsa, c'est est-ce qu'il s'agit comme de capter le premier instant de la conscience qui se pose sur un objet, par exemple, hein? Ouais. On pourrait être tenté de le croire. Pourquoi? Parce qu'on pourrait imaginer qu'à ce moment-là, c'est plus frais, qu'on n'est pas parti déjà. Mais en fait, du point de vue de la conscience, c'est tout le temps la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment plus frais ou moins frais. Pas du tout. Pourquoi? Parce que si on regarde. Bon, la seule chose qui peut être intéressante, effectivement, c'est que si par exemple on regarde un objet, puis qu'on est vraiment parti dans une sorte de discours du fait de regarder un objet, donc là on est parti déjà loin. Donc on est moins attentif. Mais en fait, on peut porter notre attention sur l'expérience de la conscience à chaque moment, que ce soit au début, au milieu ou à la fin de l'expérience. En fait, il n'y a jamais un moment où on quitte l'expérience. C'est un peu ce que ces instructions veulent nous dire. On n'est jamais hors de l'expérience de la conscience. Jamais, jamais. Simplement, effectivement, si on est
suffisamment présent, eh bien, on pourrait dire que c'est un peu comme si on observe, est-ce qu'on observe vraiment, mais disons, on est sensible au mouvement, et puis du coup, on est plus attentif au fait que, ah tiens, la conscience vient de se poser là. Donc, il peut y avoir quelque chose d'un petit peu plus frais. Mais du point de vue de l'expérience fondamentale, c'est toujours l'expérience de la conscience, tout le temps, tout le temps. Mais bon, pourquoi pas le voir comme ça? Il y a quand même effectivement, là où c'est intéressant, c'est que du point de vue bouddhiste, et alors ça rajoute une couche, mais c'est qu'on n'a pas de conscience qui préexiste. Ça, c'est un drôle de truc pour nous. C'est très difficile de réussir à l'entrevoir. Nous, on est absolument persuadés, par exemple, dans notre expérience, qu'on a une conscience visuelle, et puis que cette conscience visuelle, elle va s'exercer à partir du moment où on regarde quelque chose. Du point de vue de l'Abhidharma, donc bref, du bouddhisme, c'est pas le cas. C'est-à-dire que la conscience visuelle, elle ne préexiste pas. Elle n'existe qu'au moment où tous les différents facteurs qui se mettent ensemble se mettent ensemble. Ça, c'est un truc très bizarre, parce que nous, on est persuadés d'avoir comme une espèce de conscience visuelle, et on va, c'est un peu comme si on avait une lampe torche, et puis ensuite, hop, on va la poser sur un objet ou un autre. Mais du point de vue de l'expérience vraiment de la conscience, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, du point de vue de l'expérience de la conscience, on a la faculté visuelle, on a l'organe, on a l'objet. Si tout ça se met ensemble, hop, surgit l'expérience d'une conscience. Mais on viendrait à enlever un des éléments constitutifs de cette expérience, elle ne surgit pas, elle ne surgit jamais. C'est pour ça que, d'ailleurs, j'ai toujours entendu Lama Tsong dire, mais c'est normal qu'on voit des choses, qu'on entend des sons, etc. C'est pour ça qu'aucune instruction de méditation, en tout cas dans la tradition Kagyu, ne nous dira qu'il faut nous mettre en retrait des perceptions. C'est pas possible. Et souvent, Lama Tsong a dit, mais heureusement qu'on entend des sons. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on a un problème au niveau de l'organe. Donc, on serait mal équipé pour entendre des sons. Donc, il y a quelque chose de complètement normal. Donc, de ce point de vue-là, c'est aussi une façon de dire que l'objet n'est pas le problème. Jamais. Le son, par exemple, agréable ou désagréable, ça, c'est juste nous qui qualifions l'expérience comme ça. Mais si on est suffisamment attentif, finalement, la manière dont on qualifie l'expérience sensorielle, c'est pas très important. Mais par contre, de porter notre attention à l'expérience, elle, c'est plus important. De toute façon, à partir du moment, admettons, où on entend un son agréable ou désagréable, on n'est déjà plus on n'est plus en train de l'entendre. On n'est que face à notre projection, en fait, à notre construction. On a élaboré déjà le son, en fait. On a élaboré quelque chose comme agréable ou désagréable. C'est comme ça qu'on le perçoit, d'ailleurs. On n'arrive presque pas le percevoir dans l'expérience même. C'est pour ça que la qualité de présence qu'on peut développer par la pratique, c'est quelque chose qui, idéalement, nous permettrait de renouveler notre expérience. C'est-à-dire, on sort de l'habitude de l'expérience. Du point de vue bouddhiste, on pourrait dire qu'on parle beaucoup de saisie, hein. On en parle beaucoup. Mais il y a une chose qu'on oublie souvent, c'est que du point de vue bouddhiste, on a déjà créé les objets que l'on saisit. C'est-à-dire, c'est la conscience qui crée des objets qu'ensuite elle saisit elle-même comme s'ils étaient extérieurs à elle. Mais ils sont jamais extérieurs à elle, du point de vue bouddhiste. Et ça, c'est quelque chose, si on y réfléchit bien, qui est juste incroyable. Parce que ça veut dire qu'en fait, la conscience, elle se saisit elle-même. Si par exemple j'entends un son, ça veut dire que j'ai créé d'une manière ou d'une autre, quelque chose que j'appelle le son que j'entends. C'est moi qui l'ai créé. Ça n'existe pas hors de mon intervention, pas du tout. Donc ça veut dire que quand, par exemple, je me dis, ah, le son est désagréable, ou je me dis, le son est agréable, en fait, je me saisis moi-même. C'est ma propre construction que je perçois. C'est pas la nature du son. Rien à voir. Je perçois ce que moi j'ai construit sur la base de la nature de l'expérience. Mais je ne perçois pas l'expérience.
Si je vois quelque chose, si je vois une forme horrible, admettons, ben, bien sûr, je serais tenté à penser que c'est objectivement horrible. Mais du point de vue bouddhiste, c'est jamais objectivement horrible. Il n'y a pas. On pourrait dire que c'est une espèce de critique fondamentale de l'objectivité pure. Il n'y a pas d'objectivité pure. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans une construction, finalement. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un problème. Si on arrive à le reconnaître comme notre propre construction. Si on arrive à le reconnaître comme notre propre construction, ça devient même intéressant. Parce que du coup, ça veut dire que en observant ce que l'on saisit, on s'observe soi-même. Et c'est pour ça que la pratique méditative, vue comme ça, elle est intéressante. Quoi, pour plein de raisons, elle est intéressante. Mais c'est une approche intéressante. Plutôt que de penser que je ne dois pas percevoir, on pourrait être tenté de vouloir méditer en ne percevant pas, en se disant, ça c'est la méditation. Une méditation sans expérience sensorielle. Mais non, du point de vue qui nous importe ici, ça ne nous dérange pas. Pourquoi? Parce que de toute façon, n'y a pas de réalité propre à cela que l'on est en train de percevoir. C'est toujours une construction. Donc, il y a toujours de quoi explorer. Il y a toujours de quoi explorer tous ces objets qu'on attrape, parce que c'est toujours nous qui les avons construits. Et donc, du coup, en explorant ces objets qu'on attrape, c'est la conscience elle-même qu'on explore. Ce n'est pas les objets. Quoi bon? Martine, j'ai vu que tu posais une question avant, en tout cas que tu levais la main. Oui, ben, en fait, j'ai eu la réponse parce que je voulais te dire, ça rejoint la saisie. Toutes les saisies que l'on fait sur les pensées, c'est ça, en fait. Oui, parce que Ça m'a les. fait penser à ça. Oui, mais c'est pour ça que ces saisies sont. On pourrait dire que les saisies sont pas problématiques si on arrive à les comprendre comme saisies de quelque chose qu'on a construit soi-même. Si on pense que ça a une existence en soi, alors dans ce cas-là, on est coincé dans ce que l'on saisit, forcément. Mais ça n'a pas d'existence en soi. Par contre, ça nous ramène à nous-mêmes, ça nous ramène à l'expérience de notre propre conscience. C'est toujours nous, on pourrait dire, c'est toujours notre conscience qui est en jeu. C'est jamais l'objet vraiment à l'extérieur. C'est pour ça que dans un enseignement avec Kenpo Chocho, il a beaucoup, et c'est devenu un gimmick carrément tout au long de son enseignement qui a duré 5-6 jours, où il parlait de l'arbre et il revenait sans arrêt sur l'arbre en disant en fait, on a un arbre, on a toujours un arbre devant nous, mais l'expérience qu'on fait de l'arbre et l'expérience d'un Bouddha qui fait de l'arbre comme moi, je fais l'expérience de l'arbre, c'est une expérience qui n'a rien à voir. Parce que lui, un Bouddha, on pourrait dire qu'il voit véritablement l'arbre. Moi, je ne fais que voir l'arbre que j'ai construit. Et c'est une manière de dire, hein, c'est juste une image. Après, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Mais par contre, il peut pas, c'est une façon de dire ou de rappeler, il ne peut pas y avoir d'arbre purement extérieur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à l'extérieur. Mais ça veut dire que ce que je vois d'abord, c'est ma construction, ce n'est pas l'arbre. Ben parce que je pourrais très bien. Parce que si j'observe d'une manière beaucoup plus présente mon expérience de la vision d'un arbre, par exemple, je vais me rendre compte que je peux tout à coup m'interroger sur ce que je suis en train de regarder de l'arbre. Moi, j'ai qu'une expérience globalisante. C'est exactement la même expérience globalisante que j'ai de je. De moi, j'ai toujours une expérience globalisante. Mais en fait, si je regarde en détail l'arbre, ce que j'appelle arbre est une foule de choses. J'arrive à dire arbre alors qu'il est en automne, alors qu'il est en été, alors qu'il est en hiver, qu'il n'a plus de feuilles. C'est toujours arbre. Mais c'est jamais, il n'y a pas un instant où ce que j'ai perçu est identique de l'instant d'avant. C'est impossible. Simplement ça, je ne le vois pas. Je suis plus habitué à mon idée de l'arbre qu'à voir un arbre. Et on pourrait par extension comprendre que je suis plus habitué à naviguer dans l'idée que je me fais du monde que voir le monde.
Donc méditer, c'est intéressant. Je vous dis tout ça parce que finalement, quand on pose son regard sur un support, je partais de là, quand on pose le regard sur un support, l'instruction, elle nous dit, n'observe pas la forme, n'observe pas la taille, n'observe pas la couleur, etc. C'est pas pour dire ne regarde pas, c'est pour dire c'est pas le point, c'est pas ça qu'on doit regarder. C'est juste faire l'expérience de ce qui est en train de se produire au moment où la conscience est sur l'objet. Et du coup, peut-être pour un peu revenir avec l'idée d'Elsa, on pourrait dire c'est un peu comme si on observait les choses avant qu'on ait construit. Ça, on peut le construire, on peut le comprendre comme ça. Mais là où c'est un peu subtil, c'est qu'on peut de la même manière observer l'objet une fois construit, de la même façon. Mais bon. Parce qu'on a ja on est, on peut être sans arrêt en train d'observer, en fait. Mais bon. Voilà. Je ne sais pas du tout si je vous ai paumé ou pas. C'est pas du tout le but, hein, si je vous ai paumé, c'est pas ça. C'est juste pour interroger l'expérience. Ça peut être intéressant d'être paumé, justement. Bon, ça peut aussi être ouais, ça peut aussi être intéressant d'être paumé, dit Elsa. Mais c'est évidemment pas le but en soi, hein. C'est juste comme rafraîchir l'expérience, c'est-à-dire faire que si par exemple j'ai les yeux mi-clos ouverts dans la C'est la technique pure, on pourrait dire. Voilà, bon, la technique ou l'instruction, elle me dit gardez les yeux mi-clos. Ok, donc je garde les yeux mi-clos, mais n'empêche, voilà, j'ai toute cette réalité qui m'arrive du coup dans mon expérience visuelle. Donc, du coup, il faut que je fasse attention parce que je peux très bien partir dans cette expérience-là en étant totalement, en laissant de côté l'expérience de la conscience et en étant plongé dans l'objet. On est très vite plongé dans les objets. Que ce soit visuel, auditif, gustatif, mentaux, etc. Tout le temps, on est tout le temps dedans. Mais imaginons 2 secondes qu'on soit en rapport avec l'expérience de la conscience. Elle ne peut se faire qu'à l'instant même. Donc en fait, elle est totalement insaisissable. Elle est tellement rapide qu'elle est totalement insaisissable. On ne pourrait pas la retenir. Comme si on était pour en ce moment en relation avec la conscience de l'univers. Alors Yvan qui pose la question, est-ce que en Parce que même temps ce l'univers serait ouais, conscient. comme si on C'est pas était la à même chose. l'instant même en rapport à la conscience de l'univers. Oui. Du point de vue bouddhiste, on pourrait l'envisager. On se méfie juste d'une chose, c'est de l'idée que l'univers est une conscience. Ça, on se méfierait de ça. On se méfierait de ça. Mais en fait, oui, parce que ce serait l'idée que l'univers a une conscience en lui propre, qui aurait la conscience du monde et il y aurait moi. Du point de vue bouddhiste, on est toujours la conscience du monde et la conscience de moi en même temps. Il n'y a pas d'autonomie comme ça, aussi forte, entre par exemple moi et la conscience du monde. Il y a quelque chose qui est plus interrelié, qui est plus interdépendant Comme je que le ça. sentais dans, je Oui. voulais dire dans la mesure de la relation, justement, De la relation, pas de la oui. séparation. Oui, de la C'est relation. différent, non? En fait, l'approche qu'on a, on pourrait dire, et ça c'est intéressant, l'approche qu'on a, c'est effectivement une approche en relation, tout le temps. C'est-à-dire qu'on ne va jamais considérer qu'un phénomène tient par lui-même. Même un instant de vision ne tient pas par lui-même. Un instant d'audition ne tient pas par lui-même. Alors que nous, on les voit en bloc. C'est comme si chaque fois ça tenait par lui-même. Mais en fait, non. C'est pour ça que du point de vue de l'Abhidharma, on va dire, c'est toujours en train de surgir, en train de cesser. En train de surgir, en train de cesser. En train de surgir, en train de cesser. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il n'y a que du surgissement. C'est comme un mouvement de l'eau. Il n'y a que du surgissement. C'est comme des vagues qui surgissent, qui reviennent. Qui surgissent, qui reviennent. C'est un flux et reflux. Flux, reflux tout le temps. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup l'image des vagues dans les instructions du Mahamudra. Pour dire, et j'arrêterai là-dessus, pour dire, souvenons-nous toujours que la nature de la vague, c'est la nature de l'océan.
n'y a pas en la vague une nature différente de la nature de l'océan ou du lac. Donc si je connais la nature de la vague, je connais la nature de ce qui est beaucoup plus vaste que la vague, de ce point de vue-là. Bon, voilà. Ok, c'était pour nous mettre en bouche. Bon, je sais pas. C'est comme ça. Oui, en tout cas, ben, du coup, on peut s'engager dans la pratique méditative juste avec peut-être cette qualité, en étant un peu attentif au fait de ne pas comme coller sur les différents objets, mais de juste rester dans l'expérience vivante, transitoire de ce qui est en train de surgir sans cesse et disparaître sans cesse. Parce qu'en fait, on s'installe très très vite dans une forme de fixité, tout le temps. Quoi, voyons, voyons. Je me dirais quelqu'un que je connais bien.
Une petite pause. Par rapport à ce que je vous disais avant, là dans le Ngāzō, l'océan du sens certain, c'est le passage où on parle de la focalisation sur un objet fin, par exemple un petit caillou justement. Et là, il dit, donc il, c'est le neuvième Karmapa, il dit fixer l'esprit sur un fin morceau de bois, par exemple de 4 doigts de long ou un petit caillou, au choix. Si vous êtes trop tendu ou concentré sur le support de focalisation, ceci occasionnera de l'agitation mentale. Donc, c'est pas qu'on fixe de manière trop dure sur le support. Aussi, demeurer focalisé sans distraction dans la détente du lâcher-prise. Bon, ben voilà, ça c'est la traduction proposée, mais dans cette qualité de détente, en même temps on est sur le support, mais en même temps détendu. Sur le support de référence, en laissant l'esprit se poser en lui-même. Il y a l'idée de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'est pas posé à l'extérieur, l'esprit, jamais. C'est juste une manière de dire. Il peut pas être posé. On peut pas prendre l'esprit et puis paf, on met sur un caillou en face de soi. Pas ça. Donc, évidemment, il n'est posé qu'en lui-même. L'extériorité, c'est juste un jeu. Mais il n'est pas à l'extérieur. La conscience, elle n'est pas ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Jamais. Bon, c'est pour ça que, voilà, j'essayais d'expliciter ça. Tu vois, laisser l'esprit se poser en lui-même et en l'empêchant de se projeter sur un autre objet. Ça, par contre, c'est intéressant. C'est intéressant dans le sens où on va tâcher de rester sur l'objet pour que justement, ben, on ne soit pas en train de sauter d'un objet à l'autre. Parce que ça, c'est ce à quoi nous avons l'habitude. On a l'habitude d'avoir tellement, on pourrait dire, c'est vraiment qu'une manière de dire, mais la conscience à l'extérieur, que du coup, elle saute d'un objet à l'autre. Donc là, on la laisse sur un objet. On pourrait dire qu'on assume qu'il y a un objet, voilà, on a un objet devant soi, on assume, mais en même temps, on n'est pas dupe du tout sur le fait que c'est pas à l'extérieur qu'on la place. On la place quelque part, c'est un peu comme pour, c'est comme une espèce de piège qu'on lui tend. On a l'habitude de toujours projeter la conscience à l'extérieur, donc on la chope comme ça, on pourrait dire, c'est un piège. Donc, on la place, donc c'est comme si on était à l'extérieur, mais en fait de cette expérience, on revient à l'expérience de la conscience. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on ne va pas sauter sur un autre objet, parce que dans ce cas-là, on ferait ce qu'on fait tout le temps. Et ça n'aurait aucun sens. Sans nourrir, nous dit-il, une réflexion sur son épaisseur, sa longueur, sa couleur ou autre, comme je vous le disais avant. Maintenez juste la corde de l'attention non distraite dans la détente naturelle. Ça, c'est le. Voilà, ça c'est l'instruction. En fait, j'essayais juste d'expliciter ces 4 phrases, mais ça prend du temps d'essayer de. Puis peut-être que je devrais. J'en sais rien, j'essaye. Après, il faut essayer, faut faire l'expérience soi-même aussi. Il faut quoi faire l'expérience? C'est pas que je l'ai faite, mais j'entends. Il y a quelque chose de l'ordre de nous en train d'essayer quelque chose. On se place sur un objet. Bon, qu'est-ce que ça veut dire se placer sur un objet? C'est qu'une idée.
Et puis ensuite, à force de méditer, bah, petit à petit, voilà, ça peut vouloir dire quelque chose, ce genre d'instruction. On les reverra toujours, hein, on fait que... Voilà. Ok. Et je suppose, bon, à moins qu'il y ait une question que vous ayez envie de poser, mais si, sinon, on repart dans l'expérience, justement. Moi, je voudrais bien poser une question, Bien sûr, Jean-Marc. Martine, vas-y. Tout à l'heure, tu as dit la conscience, ça m'interpelle parce que je n'ai pas compris. Tu as dit, elle est ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. Et moi, je me dis, bah, elle est où alors? Ah ben bien sûr, ce genre d'instruction, quand on, bon ben voilà, quand je, là je ne fais que citer, hein, sans citer le numéro de page, mais à part ça, c'est des instructions qui sont constamment présentes. Elle est ni à l'intérieur ni à l'extérieur, parce que justement, quand on observe un objet, bah, d'abord, la réponse, elle sera jamais donnée. Ça sera toujours, bah, regarde où elle est justement. Et puis, l'intérêt de ne pas donner la réponse, c'est que tout à coup, on va pouvoir commencer à se poser la question vraiment. Parce que justement, on est absolument persuadé qu'il y a toujours une conscience dedans qui regarde dehors. Mais en fait, c'est pas comme ça. C'est pas aussi simple que ça. C'est pour ça que, par exemple, toujours dans le Ngadungato, dans l'océan du sens certain, il prend un objet et puis il dit, en fait, à partir de quand on est à l'extérieur, c'est-à-dire à partir de 20 cm, par exemple, imaginons, je regarde un arbre, hein, mais l'arbre, il commence où? Est-ce que l'arbre, admettons, je suis là, j'ai un arbre à 10 mètres, hein? On pourrait dire ça, c'est... Voilà, donc j'ai mis 10 mètres. Simplement, moi, je vois l'arbre. OK, d'accord? Mais à partir de quelle distance, à partir de moi, commence l'arbre? D'accord? Donc, dans le texte, on va trouver des instructions comme ça. Et ça va nous faire... Ça va changer complètement l'idée qu'on se fait des choses. Si, par exemple, je suis là, je vois un arbre à 10 mètres, je suis persuadé que je vois un arbre à 10 mètres. Mais en fait, mais quand je suis, on pourrait dire, à cette distance de moi, l'arbre commence déjà. Ou est-ce que l'arbre n'a pas encore commencé? Il commence où? Il commence là, il commence là, il commence là, il commence où? La vision que j'ai. Mais si je n'interroge pas ça, je vais être absolument persuadé que la vision que j'ai de l'arbre, ce que j'appelle arbre, existe là-bas. Mais ça n'existe pas là-bas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire qu'à 1 mètre de moi, ben, ou à 2 mètres de moi, est-ce que je suis plus près de l'arbre en étant à 2 mètres de moi ou là où je suis? C'est-à-dire, l'idée de la distance, c'est vraiment complètement illusoire. C'est juste une, c'est quoi, illusoire dans le sens, ben voilà, c'est une manière conventionnelle de parler des choses. Mais on peut absolument pas dire que l'arbre est à 10 mètres. L'arbre est à 10 mètres, oui, on peut le dire dans l'ordre conventionnel des choses. Mais il n'est pas du tout. Mais on peut absolument pas dire que la vision de l'arbre commence, parce que sinon, ça voudrait dire qu'à 9 mètres, il n'y a pas d'arbre. Mais en fait, il y a un arbre tout le long. Il y a un arbre là où je suis et tout le long jusqu'à l'arbre. Mais donc, où est-ce que commence l'arbre? C'est absolument impossible. On va se rendre. Mais ça, c'est typique d'une question qu'on peut se poser à force d'avoir observé la conscience. Parce que sinon, si je ne l'observe pas, je suis juste persuadé que je regarde un arbre à 10 mètres. Ok? C'est bien parce que je vois Elsa qui, tout à coup, yes. Un bout. Il y a toujours. Voilà. De toute façon, ça nous fait tous ça. C'est-à-dire, tout à coup, paf, on se dit, waouh. Je suis là.
Ben voilà, je suis l'arbre, c'est pas tout à fait faux. Mais bien sûr que dans ces instructions, comme on peut s'en douter, on va satisfaire d'aucune affirmation. Parce que si on va dire je suis l'arbre, ben c'est en même temps un peu délicat de pouvoir dire ça. Parce que dans ce cas-là, je ne suis que l'arbre. Et je ne peux pas être autre chose. Alors que je suis capable en même temps d'être autre chose. Donc c'est pour ça qu'on va sans cesse interroger. Mais c'est pour ça que l'interrogation dont on parle ici, ce n'est pas une interrogation intellectuelle, c'est une interrogation qui se base sur l'expérience qu'on fait. Et l'expérience qu'on fait, elle est simple. C'est juste nous, vous, moi, ici, et qui, voilà, on a juste. Bon, on n'a pas besoin de grand-chose pour cette expérience. On place juste la conscience quelque part. Sur le va-et-vient du souffle, sur la présence, sur un objet à l'extérieur, c'est égal. Mais ensuite, on peut commencer à interroger, justement. On peut interroger cela que l'on place quelque part, par exemple. C'est quoi qu'on place quelque part? Est-ce qu'on place quelque chose quelque part? Donc, etc. Mais bon, bref, c'est pour ça que ces questions-là, toutes les questions qu'on trouve dans cette tradition du Mahamudra, ce n'est pas des questions pour se faire des nœuds dans le cerveau. Ça n'a rien à voir. C'est des questions qui surgissent de l'observation. C'est-à-dire qui surgissent de la pratique. Donc, pour nous, à notre niveau, d'abord, notre pratique, c'est de poser, c'est de placer l'esprit, on va dire de placer l'esprit, soit sur un support, soit en suffisamment d'attention, etc. Puis petit à petit, on peut commencer à se dire donc, mais je place quoi et je place quoi où? Et petit à petit, ben voilà, si je regarde un arbre, très bien. Admettons qu'on passe 10 ans à regarder un arbre. Au bout d'un moment, on va se poser un certain nombre de questions, évidemment. Mais on passe jamais suffisamment de temps. Bon, là, on va encore passer un petit peu de temps, mais c'est qu'un petit peu, mais bon, bref. Je peux encore poser une question. Mais bien sûr, non, non, mais bien sûr, Florence, de toute façon, évidemment. Il y a 2 semaines environ, tu Oui. nous avais proposé de faire l'expérience dans la vie quotidienne de Oui. Rang Oui, Rang Nong, oui, tout à fait, oui. Nang. Pour moi, ça rejoint un peu ce qu'on dit ce soir. Ça rejoint ça, bien sûr. Et en fait, plus ça va, moins je comprends ce que c'est que la manifestation. Ouais, mais tant mieux, d'une certaine Tant mieux, tant mieux. Pourquoi? Parce que, on pourrait dire, le monde est beaucoup plus simple tant que je me dis que l'arbre est à 10 mètres. C'est beaucoup plus simple. Donc maintenant, à partir du moment où je commence à interroger, je prends juste cette instruction. C'est une des instructions du Ngadungato, hein. Et je prends l'instruction et je la prends comme une énigme et qui me dit, il commence où l'arbre? Alors là, ça commence évidemment à m'interroger beaucoup. Donc du coup, je vais commencer à comprendre de moins en moins, en fait, c'est-à-dire je comprends de moins en moins. Au contraire, je commence à investiguer, donc évidemment, je brouille les pistes au départ, parce que c'est ça le but de l'investigation. C'est pas de brouiller les pistes. Mais c'est de re-questionner, c'est de re-regarder, c'est de re-écouter, c'est de re-sentir, etc. Parce que sinon, en fait, ben voilà, on n'interroge pas ces expériences et puis on les prend comme telles. Mais non, elles sont beaucoup plus vastes, beaucoup plus riches qu'on l'imagine. Elles sont incroyablement riches, ces expériences. En fait, ce qui est bizarre, c'est un peu comme si les yogis avaient trouvé une profondeur incroyable dans les expériences les plus banales. Ben, ils ont réalisé la nature de l'esprit là-dessus. En regardant rien d'autre que leur propre pensée. Quand l'instruction clé, j'ai toujours entendu Lama Tsongkhapa dire ça, c'est vraiment, regarde l'essence des phénomènes mentaux. Je l'ai entendu dire ça pendant tout le temps que je l'ai entendu dire ça.
donc beaucoup de temps. Regarde l'essence des phénomènes mentaux. Mais presque souvent, il disait que ça. Regarde l'essence des phénomènes mentaux. Et en fait, regarde l'essence des phénomènes mentaux, ça veut dire passer son temps à observer l'essence des pensées qui viennent. Ben, si on fait cette expérience d'observer l'essence des pensées qui viennent, ben, on peut y passer effectivement une vie. Donc, du coup, évidemment que notre attention, elle se place sur autre chose que sur le seul fait de penser. Et donc ça va nous permettre de penser d'une manière différente. Voilà, donc observons la nature ou l'essence des phénomènes mentaux. Santé.
Voilà, on est arrivé à la fin de cette session. On reprendra ces instructions qui sont extrêmement intéressantes pour continuer à tâcher de les approfondir, à voir aussi tout ce qu'elles peuvent offrir comme perspective nouvelle finalement. Voilà. Donc on va s'arrêter avec une dédicace et puis ensuite, ben, je vous souhaiterai une bonne soirée. Sonam diye tamche zepane tomne nyepe danam pamdene kegana Voilà, merci beaucoup d'avoir été là pour Merci cette beaucoup. pratique, pour cette exploration. Comme vous le voyez sur l'écran, je vous le rappelle de vive voix. Donc mercredi, bien sûr, Chenrezig. Et puis ensuite, groupe d'échange, ouvert à toutes et tous, groupe d'échange, pour laisser résonner en fait le sens du dharma. La procédure vous sera expliquée, bien sûr, lors de ce groupe qui sera animé par Laurence et Agathe. C'est ça? Voilà, par Laurence et Agathe. Et puis sinon, je vous rappelle aussi, lundi soir, dans une semaine, ce sera la Majjhampataye. D'autres informations vont être transmises. Mais bon, voilà, pour l'horaire, c'est très simple, hein, c'est 18h30, 20h30, en lieu et place de cette session de ciné. Ce sera par Zoom, par YouTube et en présentiel, évidemment. Voilà. À bientôt et bonne soirée. Jean-Marc, Oui, excuse-moi. oui. Est-ce que tu sais ce que Lama Jampatayé va enseigner? Oui, bien sûr. C'est sur l'intention et la motivation. Sur le site, c'était pas précisé. Ouais, c'est déjà sur le site. Je vais le voir ce matin. Ok, Ok, merci. J'ai pas l'intention. trouvé. Ah ben, ça, la mise à jour, j'ai dû la faire cet après-midi. L'intention, Ok. la mise à, l'intention et la motivation. Et puis, plus, voilà. Mais bon, l'information principale est déjà sur le site, en fait. Voilà. Merci. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Merci à vous. Ça, c'est quoi l'intention et la motivation? Voilà.